Macandala. Parce que je ne suis pas d'accord que le fédéralisme, parce qu'en face de nous, il y a un État centralisé comme l'impérialisme. J'aime l'État anti-impérialiste. Et devant nous, on voit un pouvoir aussi centralisé que l'impérialisme. Et proposer le fédéralisme, pendant que devant nous, on voit un pouvoir qui se centralise de plus en plus par rapport à ce qu'on a vu en Libye avec l'OTAN qui bombarde, comme un pouvoir qui devient de plus en plus central. Et proposer aux Africains, pour l'instant, le fédéralisme, je pense que c'est un peu dispersé, ou c'est pas l'ordre du jour, quoi. Et je voulais juste comprendre comment affronter un pouvoir aussi centralisé que l'impérialisme occidental en venant avec une formule fédérale. Merci. D'accord. Bon, je pense qu'il y a une confusion, mon frère. Hein. C'est que le fédéralisme que nous proposons, c'est un fédéralisme au niveau continental. C'est-à-dire que nous voulons répondre à un état de lieu réel. L'état de lieu réel, c'est que nous avons face à des masses géostratégiques, militaires, industrielles et ainsi de suite. Ça, si vous faites un état Congo, Congo en tant qu'ethnie, pas en tant que, parce que c'est différent, Congo en tant qu'ethnie, ou un état Teke en tant qu'ethnie, ou un état Douala, ça, vous ne tenez pas. Ça, c'est les réalités du monde d'aujourd'hui. D'accord ? C'est-à-dire que face à cette situation, il faut des équivalents en face. En fait, nous sommes un peu obligés par le fait des choses. C'est-à-dire que l'analyse de 1900 des autres reste valable. Bon, ça c'est ce niveau fédéral. Votre question c'est en interne. Est-ce que cet État fédéral va abolir, va asphyxier, va modifier, ainsi de suite? Non. Tout est question d'organisation. Quand vous prenez les États-Unis, je prends un exemple récent pour faire illustration. Barack Obama vient de déclarer qu'il était pour le mariage. Et voilà. Bon. Mais vous savez que sa déclaration, c'est peut-être stratégique, mais il n'a aucun pouvoir pour exiger cette loi. Dans le fédéralisme, vous mettez ce que vous voulez. C'est-à-dire que les États fédérés aux États-Unis ont le droit d'appliquer ou non, ou de faire voter ou non, s'il y a la majorité locale. Vous prenez les États-Unis, vous prenez un autre grand ensemble. Bon, ça n'existe plus l'équivalent, mais l'URSS, c'était pas la même chose. Donc, n'ayez pas peur du fédéralisme. Le fédéralisme, ça dépend de ce que vous y mettez dedans. Quel pouvoir vous donnez à l'État fédéral? Quel pouvoir vous donnez aux États fédérés? Ainsi de suite. C'est ça l'intelligence humaine. Bon, d'ailleurs, si on s'amenait à détruire nos ethnies, c'est autant de valeurs que nous allons détruire, puisque dans ces ethnies, il y a des valeurs dans les langues, ainsi de suite. On ne peut pas faire ça. Donc, il y a un État fédéral à un niveau continental qui nous permet d'être au même niveau que les autres pour discuter. Le rapport de force, il faut le créer. Et à l'intérieur de cet État fédéral, il y a toute une imagination. Donc, il faut laisser à l'État fédéral interne, au débat interne aux Africains, de trouver les possibilités. Il n'y a pas un concept juridique passe-partout, l'État fédéral, centralisation. Non, pas du tout. Hein? Il y a aussi l'autonomisation, il y a aussi la décentralisation, la régionalisation. Là-dedans, les États qui sont décentralisés à l'extrême ne sont pas forcément moins libres que les États qui ont de l'autonomie des régions. Ça dépend. Donc il faut faire très attention avec ça. Je crois qu'il y a eu juste une confusion. L'État fédéral ne veut pas dire centralisation. Non, cette équation n'est pas vraie. L'État fédéral, c'est une façon de protéger tout un ensemble et en interne, on fait ce qu'on veut. Merci. Ça marche. Hein. Et merci de votre intervention parce que vous m'adressez vos questions très importantes. Je vous donne un conseil, si vous l'acceptez.
de changer le nom de l'organisation politique panafricaine. Merci. Ça vous permettra de vous extendre partout en Afrique. Autre question que j'ai, comment pourrons-nous entrer en contact avec vous et pour nous inscrire ou quelque chose? D'accord. Et la dernière question, c'est une proposition aussi. Qu'est-ce que vous pensez de faire une conférence ou une campagne panafricaine sur les redessins des frontières africaines? Notre propre conférence de Berlin, voilà, mais notre à nous. Parce que la configuration actuelle des pays africains, c'est pas seulement européen, mais aussi c'est pas balancé. Et dans un état fédéral, c'est pas possible de balancer le pouvoir du Congo et de comparer avec Saint-Thomé ou quelque chose comme ça. Ça c'est mes questions. Ok. Mais je crois que sur la première question, bien sûr, frère, le conseil, il en faut, hein, il faut discuter. C'est parce que nous avons dit Ligue panafricaine, PAC du Congo, que nous avons forcément raison. Mais je peux donner quelques explications. Nous avons choisi ce nom juste pour une raison d'ancrage et partir de quelque part. Ligue panafricaine du Gabon, Umoja. Ligue panafricaine de Centrafrique, Umoja. Ligue panafricaine, on peut faire ce qu'on veut. Il faut partir d'un territoire. C'est pour ça que nous partons du Congo. Mais dans le bureau de la Ligue, nous avons tout le monde. Nous avons des Ivoiriens, nous avons tout le monde. Des frères de la Guadeloupe, il y a même un représentant à la Guadeloupe de la Ligue. Hein, la sœur Amal a rencontré, hein, en Guadeloupe. Donc voilà. Mais effectivement, il faut bien communiquer là-dessus pour dire que la Ligue panafricaine, c'est une marque qui est publique à tous les panafricains. D'accord ? Il suffit qu'on soit cohérent, qu'on se coordonne, pour qu'il n'y ait pas aussi de messages différents. Hein, c'est très important. Deuxième question, comment adhérer ? Ben, écoutez, nous sommes venus avec le bureau sur place, on a des prospectus qu'on a laissés à l'accueil, on a même publié un ouvrage sur nos objectifs, on a publié un ouvrage. C'est un débat public, on n'a pas raison sur tout. Vous pouvez prendre l'ouvrage, lire, et puis il y a tout dessus, il y a des coordonnées, le temps internet, ainsi de suite. Par rapport au congrès panafricain, les frontières. Mais oui, le prochain congrès que nous voulons faire doit réunir tous les problèmes de l'heure. Entre 60 et aujourd'hui, combien de guerres de frontières? Tout le monde connaît les guerres extraordinaires, les guerres qui ont Biafra, Bakassi, la bande d'Aouzou entre Kadhafi et les Tchadiens, ainsi de suite. Ce sont des problèmes concrets. Mais ces problèmes ont été accentués par l'OUA. Parce que l'OUA avait décidé de l'intangibilité des frontières. J'ai ici l'ensemble des discours de la création de l'OUA. Nkrumah, dans son discours, c'est-à-dire avant même que l'OUA ne soit décidé, Nkrumah, dans son discours, au même endroit, avait dit non à cette forme de coopération. Au moins, l'histoire est là. Les traces sont là. Si Nkrumah était ici, il allait nous rappeler tous les jours. Nkrumah avait dit, si vous faites l'intangibilité des frontières, vous accentuez les tensions. Le premier objectif, c'est le royaume politique. Le reste suivra. Le royaume politique. Parce que si nous avons un État fédéral, pourquoi il y aurait des conflits de Bakassi? Ça veut dire qu'automatiquement, la citoyenneté africaine va se poser. Si j'ai la citoyenneté africaine, qui viendra me disputer ma frontière? Personne. Donc c'est... Thank you very much for your intervention. I appreciate it very much. Question I have regards the internal struggles inside the continent. As far as the federal government of a continental state, I am in total agreement with that. And I see great possibilities. For example, one single currency, one passport which says Africa. One citizenship, which is Africa, not a citizenship that says Nigeria or South Africa or ethnic identity, but Africa. So there are many, many attributes, powerful attributes, for an understanding of an Africa that is one and united. The internal struggle that we have now, for example, in Chad, and becoming one in Chad, but we have one in
Mali now, and we have one in Sudan, where we have the contest between those who identify as Arabs and those who identify as African, going on in African soil. What type of intervention do you see the federal state of Africa having on these types of crises? The crises of civilization between these two groups. Donc, je crois que c'est un... Merci, professeur Molefi, déjà de considération pour notre organisation. Je crois qu'il y a d'abord un premier souci qui revient chez les panafricains. Est-ce qu'on va faire l'État fédéral avec les Arabes, puisque souvent ils se retournent vers d'autres perspectives. On l'a vu d'ailleurs avec la guerre de la Libye, où le président Sarkozy a clairement dit que c'est à la Ligue arabe de décider, non pas à l'Union africaine. Bon. Ça veut dire qu'à un moment donné, les Arabes, même eux-mêmes, ils auraient dû s'opposer pour dire non, nous sommes des Africains, on n'a pas à nous assigner à telle ou telle organisation, alors que nous sommes physiquement sur le continent africain. Bon, il y a aussi l'histoire. L'histoire, c'est que on peut rejeter les Arabes aujourd'hui, mais notre mémoire récente montre que tous les Arabes n'ont pas été toujours pareils. L'Algérie a bien formé des résistants africains. On se souvient que Frantz Fanon est parti se battre pour l'indépendance dans le Maghreb. Kadhafi, devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, peut-être, mais Kadhafi des années 70, c'est pas le même. Kadhafi a aidé les mouvements en Afrique noire. Si on prend par exemple le cas de l'Égypte avec Nasser, c'est extraordinaire. Nkrumah était presque en Égypte tout le temps, sa femme, je crois, même était là-bas. Mais en tout cas, quand Lumumba est décédé, ses enfants ont été récupérés par les pays arabes. Ils ont payé toutes leurs études, ainsi de suite. Donc c'est aussi l'histoire. Il ne faut pas l'effacer. On est aujourd'hui dans des générations qui ne connaissent pas l'histoire, ainsi de suite. Mais c'est vrai, le professeur pose le vrai problème. Nous devons être clairs avec les Arabes sur le continent africain. Si nous faisons l'État fédéral avec les Arabes, parce que physiquement, on ne peut pas les faire partir aujourd'hui. Ils sont là. Même pour certains États, ils sont plus puissants que les États noirs. On ne peut pas faire autrement. Mais nous devons être clairs aussi. C'est que nous ne pouvons pas faire l'État fédéral africain quand on a souvent des objectifs, des doubles objectifs, où on est avec le Proche-Orient et les objectifs de la vallée, en même temps avec l'État fédéral. Mais physiquement, ils sont sur le territoire. Donc, soit on fait un État fédéral d'Afrique noire, ça c'est le débat, je ne peux pas trancher là-dessus. Attention. Soit on fait un État fédéral d'Afrique noire, c'est une chose, mais vous avez immédiatement sur vos frontières des États. Sachez qu'un État, quand il se constitue, soit c'est une menace pour les autres, en tout cas, M. Pougala le dira tout de suite, parce que réunir ne serait-ce que 15 États africains, c'est une puissance, tout de suite, immédiatement. Alors, ça veut dire qu'à la limite minimum de coopération avec les voisins. Oui, bien sûr, mais la réalité géostratégique est là. C'est-à-dire que ça, c'est d'accord. Mais la réalité géostratégique est là. D'accord ? Il ne faut pas les prendre simplement sur le plan. Il faut aussi prendre la réalité qui est là. La réalité, c'est que vous avez des... S'il vous plaît. La réalité, c'est que vous avez des États maghrébins qui sont militairement plus puissants que les États d'Afrique noire. Il ne faut pas traiter ces problèmes-là de façon belliqueuse. Il faut avoir de l'intelligence jusqu'à ce que peut-être que nous serons plus puissants. D'accord ? Mais pour l'instant, il faut attendre quelques minutes. We must listen to this brother. He has given us an excellent analysis and he has given us a very powerful presentation. Here's the crux of the matter. And this is a debate or a discussion that I've had a long time with my friend Chinwezu. It's a very important issue. The issue is, do we fear that the Arabs will take us over? If we have that fear, then we will revert to a black Africa, which all of Africa is black. Africa is a black continent. Oui. L'Afrique est un continent noir.
We cannot give up one inch. On ne peut pas donner même un mètre carré, en fait, si vous voulez, à notre peuple. If Arabs live in Africa, the majority of the people in Africa are black people. Même si les Arabes vivent sur le sol, sur le continent africain, la majorité des Africains sont noirs. Consequently, if we have a federal state, Africa state, Africa remains a black continent and a black state. Donc, par conséquent, si nous avons un État fédéral, l'Afrique restera un État, en fait, à majorité noire. Et donc, Professor Sidney is correct. Le frère a donc tout à fait raison. Our progress cannot depend on fear. Notre progrès ne doit pas dépendre en fait, de la peur. Nous ne devons pas avoir peur. Et donc le frère a tout à fait raison. Mais sur l'État fédéral, son fondement idéologique, et puisqu'on a parlé des empires, je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, qu'on fasse aussi définitivement, à un moment donné, le deuil des empires africains. On ne peut plus ressusciter des empires tels que c'était. Il faut être cohérent. Vous avez aujourd'hui des peuples qui construisent des empires qui sont dans plusieurs frontières. C'est un vrai bazar. Vous ne pouvez pas toucher à ce problème sans forcément susciter des guerres. Vous prenez le cas de l'Afrique centrale, vous avez l'ethnie Congo partout, en Angola, au Congo-Brazzaville, et ainsi de suite. Donc il faut à un moment donné régler ce problème. On ne peut plus le ressusciter. Nous sommes des êtres contemporains. Il faut régler les problèmes par rapport aux exigences du moment. Et puis on ne fait pas un État par plaisir. On fait un État par rapport aux exigences du temps. Aujourd'hui, il faut un État moderne africain. Quand on dit moderne, ce n'est pas pour imiter les autres. Hein. Moderne, c'est par rapport à nos propres exigences d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'idéologie fondamentale? Deux points simplement. Deux points. Il faut savoir que avec l'esclavage et la colonisation, nous avons eu des graves problèmes sur la culture. On a opposé les ethnies et les États post-coloniaux n'ont fait que les exacerber. L'État fédéral sur le plan idéologique, mais je dis souvent, les panafricains, entrez en politique, vous avez de la matière pour renouveler le discours politique. Cher Anta Diop et tous ses disciples, nous ont fait comprendre que nous avons une même base commune, c'est-à-dire nos langues ont un même ancêtre pré-dialectal. Mais armez le discours politique de tout ça. Or, le discours politique aujourd'hui, sur le plan culturel, est basé sur l'ethnologie coloniale. L'ethnologie coloniale, c'est tout le travail des sociologues, des Européens qui ont fait pour définir nos ethnies. Tu es du Nord, tu n'es pas beau. Tu es du Sud, tu n'es pas ceci. Au Congo, on dit même plus tu t'éloignes des côtes, moins tu es intelligent. Ainsi de suite. Ça, c'est l'ethnologie coloniale. Et le panafricanisme a une réponse. On parle tous ici de la conférence du Caire, de 1974. Mais qu'est-ce que nous en tirons comme leçon pratique dans le discours de la conférence du Caire? On lit tous Diop, hein? Mais est-ce qu'on arrive à traduire Diop pratiquement? D'accord? Donc, c'est déjà une réponse sur le plan de l'idéologie. Bon, on peut aller plus loin, puisqu'on me demande de faire court, on peut développer d'autres aspects. C'est bon? Bon, juste un dernier point. Je veux juste vous dire que Haïti a rejoint l'Union africaine. Oui.